Et on termine toujours en Afrique, et cette fois-ci en Afrique du Sud, où l'une des plus grandes célébrations sur le continent pour marquer l'entrée de la nouvelle année 2016 s'est déroulée sur le front de mer de Cape Town. Les fêtards du Nouvel An, venant des quatre coins de la ville de Cape Town, sont venus se joindre à la grande célébration. Et une chose est sûre, personne n'est reparti déçu. Tradition oblige, un majestueux spectacle de feux d'artifice a été organisé pour marquer le passage à la nouvelle année 2016. J'ai trouvé que tout s'est très bien passé. Je veux dire par là que l'ambiance au sein de la foule et l'atmosphère générale étaient très bonnes. L'humeur des gens était à la fête. Les fêtards des quatre coins de la ville, mais aussi des personnes venant de tout le continent, ont participé à l'événement. Généralement, on constate chaque année que les visiteurs étrangers viennent toujours plus nombreux pour assister aux célébrations sur le front de mer de Cape Town. 2015 ne fut pas une année facile, c'est pourquoi je souhaite à tous les Sud-Africains et au monde entier de vivre une excellente année en 2016. J'ai pris beaucoup de plaisir et tout le monde a aimé le spectacle. Nous sommes réunis tous ensemble. Nous ne formons qu'une seule et unique communauté et nous devons continuer à rester unis de cette manière. En plus des traditionnels vœux optimistes du Nouvel An, de nombreux Sud-Africains ont également formulé le souhait d'une nouvelle année 2016, synonyme de prospérité économique et de stabilité politique.